Hey, salut tout le monde, c'est Niglofan89 et aujourd'hui on se retrouve, pas de Nigloland, mais on se retrouve aujourd'hui pour une puits du four. Alors on se retrouve pour l'automne, en fait c'est les vacances d'automne, et là on est au puits du four pour passer une journée tranquillement, voilà, une petite journée au puits du four. Du coup je vais vous emmener toute la journée au puits du four et je vous dis à tout de suite. La lance, le premier spectacle de la journée. J'essaie de mettre quelques extraits pour la vidéo et bah du coup ça va commencer. Et on se retrouve à la sortie. Voilà, je viens de sortir du secret de la lance et comment dire, c'est mon premier spectacle que j'ai vu au Puy du Fou et je suis déjà assez bluffé par la prestation. C'est un truc de fou. Du coup là on se dirige vers les Mousquetaires de Richelieu, deuxième spectacle. On va les enchaîner comme ça sera plus rapide. Voilà, et du coup j'enchaîne par les Mousquetaires de Richelieu et bah pareil, je dis mon avis à la sortie. Le grand théâtre équestre créé au Puy du Fou vous envoie son salut. Tu n'as rien pour te battre. Non, pas les qualités. Et j'ai juste une épée. Alors, viens nous chercher. Fontaine de grenades, castagnettes et galop. Je rêve que l'eau jaillisse sous le pas des chevaux. Je viens de sortir des Mousquetaires de Richelieu et encore, je ne comprends pas ce parc. C'est, je crois bien, c'est la plus belle création en spectacle que j'ai vue. Voilà, c'est comment dire, c'est assez époustouflant. Voilà, des jets d'eau en dessous des chevaux, de l'eau qui sort du sol, tout ça, des coups de fusil et des gens qui descendent en dessous de nous, tout ça. Moi, j'ai jamais vu ça, franchement. En plus, je bosse un petit peu dans le disque domaine un peu du spectacle, et j'ai jamais vu des trucs aussi bluffants que ça. Voilà. Mais du coup, voilà, c'était assez bluffant. Tout est bien. Ouais, franchement, c'est bluffant. Là. Du coup, là, maintenant, on va se diriger vers le dernier panache, la nouveauté qui était en 2016, qui est très connue au parc, le dernier panache. Et du coup, bah. J'espère que ça va être bien encore. la journée fait que de commencer. Allez, à tout de suite! Thank you.
là depuis longtemps. Du coup là on va aller faire la nouveauté 2018, le mystère de la Pérouse. Voilà, je vais un petit appui parce que j'ai la favori pour mon petit frère, mais ça on s'en fout dans le jeu. Et du coup là on va aller faire le mystère de la Pérouse. Voilà, on va faire le mystère de la Pérouse, la nouveauté 2018 du Puy du Fou. C'est parti, je vous filmerai quelques extraits à l'intérieur. Ces gens là, qui en bas, qui sont-ils? Ne comprenez pas tout, ce sont nos matelots volontaires, on fait avec les voyages. On a pu aller en plus en dessous. Bien, préparez-moi ça, on va mettre le feu partout. Grandes statues de 14 pieds sont élevées en l'honneur de l'homme. Attention à la barre de haut, elle entraîne avec. Ici, ont péri 21 braves marins. Qui que vous soyez, mêlez-vous là. Mon Dieu! Je viens de sortir de la mystère. Bon, je viens de sortir de la mystère de la Pérouse et franchement c'est vraiment une c'est beau. C'est pas un spectacle, c'est pas comme un spectacle, mais c'est beau pour passer le temps, c'est sympathique. C'est vraiment sympathique à voir. Voilà. Du coup là je me dirige vers les Vikings. Voilà. Un spectacle assez connu au Puy du Fou. Voilà, avec les Vikings qui attaquent le village gaulois, tout ça. Voilà, et du coup là je vais voir les Vikings et je ferai bien sûr quelques extraits pour vous. Et du coup bah je vous mets quelques extraits du spectacle et on se retrouve à la sortie comme d'habitude. Arrêtez les combats. À genoux les barbares. Un peu fort parce qu'il y a un peu de bruit. Après les Vikings, là je suis au cercle. Pas au cercle. Au truc du triomphe, là, je sais plus c'est quoi le nom exact. Et au signe du triomphe, voilà. Et du coup, je voulais voir le spectacle, il dure 42 minutes à peu près. Et du coup, après, j'irai sûrement au bal des Osso Fantômes si j'ai vraiment le temps et si je speed bien. Voilà. Et du coup, je vous mets quelques extraits du spectacle du signe du triomphe. Et bon, c'est tout à la sortie. Allez, à tout de suite! Voilà, et du coup, je suis sorti du signe du triomphe, c'était juste magnifique. Hein. Tous les spectacles ici sont magnifiques, voilà. Donc on voyait la grandeur du parc, voilà, donc on verra juste ici. Quand on voit la grandeur du parc, c'est assez impressionnant.
Et en plus, c'est l'automne, presque, il n'y a pas beaucoup de personnes dans le parc, ça c'est bien, parce que c'est par rapport en été, il y a beaucoup de monde. Et que là, comme en automne, il n'y a pas beaucoup de monde dans le parc, est-ce que c'est la première fois que le parc ouvre jusqu'à l'automne, du coup, on a des... c'est calme et c'est magnifique avec les petites musiques, tout ça. Et franchement, c'est vraiment beau. Du coup, là, je me dirige vers le bal des oiseaux fantômes, qui est assez réputé pour son final. Et du coup, bah, je vous filme, je vais essayer, bien sûr essayer de filmer quelques extraits. Et on se retrouve, bien sûr, à la sortie. Bon, me revoilà. Le bal des oiseaux fantômes, on a pas pu aller voir parce qu'en fait, on s'est trompé d'horaire. J'ai pas fait gaffe sur l'affiche. Et du coup, là, on va aux Amoureux d'Herbin, un spectacle qui retrace un peu la guerre de 14-18, la veille de Noël. Et voilà, je vous laisse admirer. J'essaierai de filmer quelques extraits à l'intérieur, mais voilà. Ici, tout le monde prépare la nuit de Noël. Et là, vous ne voyez plus, et je vais filmer. Allez, à la sortie. Vraiment que il y a même un chant de Noël à la fin, c'est vraiment bien scénographié. C'est franchement sur ce parc là, j'ai aucun mot à dire. Franchement, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc, je comprends pourquoi je me suis mis en question pourquoi ils ont eu ce titre et s'il n'y a pas d'attraction. Bah, tout simplement parce que c'est ça, je pense, leur réussite au plus du fou, c'est de ne pas avoir d'attraction et de réussir à proposer des spectacles d'une qualité exceptionnelle. Voilà. Donc là maintenant c'est un peu la fin de soirée. Je vais me promener un petit peu partout dans le parc. Voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire. Et on se retrouve sûrement peut-être avant le spectacle du soir pour peut-être notre spectacle où on verra. De toute façon on se reprendra. Allez, à plus tard. Je vous laisse bien sûr avec quelques rushs que je ferai. Donc, j'en étais. Là, la nuit vient de tomber sur le puits du fond. Regarde, c'est juste magnifique. Juste. Excusez-moi, j'en peux plus parce que je viens de manger rapide parce qu'après, j'allais voir les chevaliers de la table ronde. Ils sont juste derrière. D'ailleurs, il y a un peu de monde derrière, mais vous ne voyez pas. C'est normal. Mais voilà. Du coup, là, j'allais voir les chevaliers de la table ronde. Et en mode nuit, je vous filmerai un petit peu quelques extraits. J'espère, et après, de toute façon, moi je vais faire les boutiques dans le bourg du 19e. Oula, la caméra elle fait des trucs bizarres. Après, je ferai les boutiques au village au bourg du 19e, et bien sûr, après, on ira voir le grand spectacle des orques de feu, et on se quittera après les orques de feu sur le retour du parc.
Les orgues de feu, je parle bizarrement parce qu'il fait juste 8 degrés et on est en pleine campagne perdue dans je sais pas où dans la France et on attend un spectacle avec des générateurs de flammes et des jets d'eau et des gens qui sortent de l'eau en pleine campagne. Voilà, bon, je vous montrerai des extraits du spectacle en vidéo et on se retrouve à la sortie. Voilà, du coup, il est 21h du soir et le spectacle Les Orgues du Feu vient tout juste de se terminer. C'était un fabuleux spectacle qui vaut vraiment le coup de rester le soir pour rester le soir. Je vous conseille de rester le soir pour admirer ce spectacle-là. Mais ça, c'était un très beau spectacle quand même. C'était avec des jets d'eau, des flammes, des costumes lumineux, tout ça. Et voilà. Du coup, on va se laisser sur cette sortie de... On va se laisser ici, parce que... Je vais pas vous dire au revoir sur le parking, il n'y a aucun intérêt. Mais on va se quitter ici. Du coup, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et je l'ai vu, parce qu'il y a des gens qui... Et là, je gueule passer dans la caméra, ça commence à m'énerver. Du coup, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager la vidéo. Et comme vous le savez, les hérissons, ça se pique toujours. Allez, c'était Niglophone89 et je vous dis à plus pour un prochain vlog. Salut!